C'est super Flo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur PUBG, nous sommes sur Android et tout simplement le jeu est aussi sorti sur iOS. Pour info, je suis au level 5, vous allez vite comprendre parce qu'en fait j'ai fait deux vidéos juste avant et en fait ma tablette elle a pas sauvegardé les deux vidéos. Donc du coup j'espère c'est bon. On est en mode solo, on est sur les serveurs Europe et du coup c'est parti, on va lancer ça. J'espère que ça va vous plaire. Je ne sais pas si vous avez testé le jeu ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, là, je vais tester le jeu pour vous. Et par la suite, si je vois qu'il y a une meilleure qualité sur iOS, ça sera cool de votre part si vous avez un lien ou une application pour filmer sur iOS parce que j'ai une tablette. Et tout simplement parce que j'en ai deux. J'en ai une sur iOS et l'autre Android. Et sur celle iOS, désolé. J'ai pas d'application pour filmer et du coup si vous avez des conseils, ça sera vraiment cool de votre part bien sûr. Donc du coup c'est parti, on va attendre un peu le chargement qui est un peu long, un peu logique. Voilà au niveau de la map. Donc ça change pas. Alors là il y a des touches en plus. Là, ok c'est pour se pencher, d'accord. Ici c'est pour taper, s'accroupir, s'allonger, sauter. L'œil, il y a un œil là, je sais pas c'est quoi. Là, c'est pour courir automatiquement. Voilà, il va aller tout droit. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas diriger, sinon il faut appuyer sur le bouton pour courir, pour qu'il arrête de courir automatiquement. Donc voilà, au niveau de la qualité, c'est sûr, ça fait penser au jeu quand il venait de sortir sur Xbox One. Au niveau de la map, il faut cliquer dessus. Ah ouais, l'avion, il passe juste ici. Donc je suppose que ça va jouer vraiment à la base militaire. Je me tends tout. Donc c'est bien pour zoomer, vous allez juste zoomer avec les doigts. Tac tac tac, on va aller où? Je me tente ici, peut-être. Je sais pas. Ouais, je pense. On va tenter ici. On verra bien, de toute façon. Je suis un peu déçu parce que la première vidéo que j'ai fait top 50 avec 6 kills. Et la deuxième vidéo que j'avais prévu de faire aussi, j'avais fait top 4. Le dernier joueur m'avait écrasé, le troisième joueur m'a écrasé en voiture. Donc ça m'avait fait rager, j'avais fait 6 kills au total. Donc c'est un peu rageant bien sûr. Donc la qualité c'est vrai, là elle n'est pas vraiment magnifique. Donc là nous sommes sur Android. Et si je vois c'est un peu mieux, je passerai directement sur iOS pour vous présenter aussi la qualité sur iOS bien sûr. Tant qu'à faire. Mais il me faut une application pour filmer le jeu parce que je ne sais pas comment filmer sur iOS. Donc du coup voilà. C'est vrai, la qualité ça fait penser au jeu quand il est sorti sur Xbox One, c'était un peu pareil. Bon, il y a des moments c'était mieux texture, on avait mieux les textures que ça. Et là c'est pas le cas. J'ai pas la maison. Ok. Ça me faisait pareil il y a pas longtemps sur Fortnite. Ça me fait rire. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Faut attendre juste le chargement. Enfin, je me pose, on voit des bateaux, donc je sais pas si on peut monter dans des véhicules ou pas. C'est testé par la suite. Voilà, ça vient d'arriver. Ok, d'accord, ok, je perds de la vie. On s'inquiète pas. Ok. On va pas s'inquiéter, je perds de la vie, c'est un peu normal, on va dire. Donc ça a frisé, vous avez bien compris. Pour l'instant, il n'y a pas la texture des bâtiments. De la pelouse le plus. Ah voilà, ça va arriver. Un peu mal fait le petit bug. Alors ici, t'as quoi à me proposer, mon pote? Il y a des armes. C'est bien, il ramasse automatiquement. Ça, c'est l'avantage. Ça le fait automatiquement pour ramasser les armes. Vous pouvez zoomer. Donc, je précise, c'est pas comme sur Fortnite. Sur Fortnite mobile, pour tirer, on pouvait tirer en plein milieu de l'écran. Là, vous devez appuyer sur les boutons spécial et spray pour tirer. Et ça, c'est l'avantage. Voilà. Je voulais pas tirer, mais c'est pas grave. Je voulais juste fermer la porte. S'il veut bien la fermer. Voilà. C'est vrai. C'est pas facile de jouer sur comment ça s'appelle? Sur tablette. C'est délicat à vrai dire, mais bon, on va se débrouiller quand même. Donc non, ça m'intéresse pas. Ok, tu prends par contre, mec, il te faut un sac à dos. Ça sera vraiment cool de trouver un petit sac à dos. C'est vrai, c'est pas si facile parce qu'on a une seule touche en fait pour tourner.
Pour avancer plutôt, mais on n'a pas de touche pour tourner la caméra. Il faut le faire vraiment avec le doigt. Et des fois, c'est pas facile parce que si vous touchez soit le zoom ou le logo de la balle, il y a un qui s'est fait tuer à un coup de poil. Si vous touchez par exemple la balle, ça va tirer automatiquement. Ok, on est déjà à 94. Alors, j'espère que je vais essayer de tuer du monde quand même. Ah, c'est pas si facile de loot en même temps et d'avancer. Ok, deuxième arme. Ça enlève le pistolet automatiquement. Ok, on est bien. Il faudra un sac à dos, s'il vous plaît. Il y a un t-shirt là, je pense. La zone, elle est où? On est dans la zone, je vous ai dit, ça va jouer limite la base militaire, c'est ça. De toute façon, faut s'en douter. Ok. J'ai au moins une chemise. Même si c'est pas très important. Alors, moi je trouve vraiment cool déjà dans ce jeu. Peut-être la qualité était pas très belle. Après je sais pas si c'est pareil sur iOS. Mais c'est déjà vraiment magnifique parce que vous avez juste à passer sur l'arme, ça la ramasse automatiquement. Et ça vaut vraiment le coup. Bien sûr, il n'y a pas le son à fond. C'est normal, c'est pour que vous m'entendez plus facilement. Et si vous pouvez entendre les bruits des trop de bruit, je pense qu'on risque de les entendre. De toute façon, s'il y a des mecs dans le coin. Alors, du coup, c'est vrai, pour bouger, c'est pas facile. Voilà, on va aller par là. À droite, c'était fait, je crois. C'est ouais, c'est là qu'on est arrivé par les marches. Voilà, c'est ça, c'est les marches. Ouais, pourquoi pas, je t'ai pas demandé de sauter, mais tout va bien. C'est vrai, il y a des moments où ça fait mal aux yeux. Oubliez-vous de la qualité. Genre, il m'a mis un shoot. What, il est où? À comparer à lui, j'ai un casque. Ouais, par contre, ton zoom, tu me l'as décalé, je sais pas où. Voilà, bon, je l'ai tué. De toute façon, il n'avait pas de casque, il avait rien. Donc, je pense qu'il a bien looté. Il m'a pas trop touché, ça va, encore. Je prends le pantalon, je prends les chaussures. Fusil à pompe, ça m'intéresse pas trop. Et il y avait un pompe. J'ai fait quand même deux mitraillettes avec moi. On va recharger. Ça coûte rien de recharger. Voilà, premier kill, ça passe. Sans souci. Par contre, je vois bien que tu te lèves, mon pote. Ah, c'est bon. De toute façon, t'étais debout, j'ai pas fait gaffe. Désolé. Je regardais en même temps la map. Ah, ça, c'est un peu embêtant. J'ai les doigts qui glissent sur la tablette et en gros, ça touche un peu la visée. Donc, je sais pas s'il a tout le loot en même temps ou pas. Mais je suis content, j'ai réussi à le tuer. C'est vrai, c'est pas si facile. Et vu que j'ai déjà une visée, j'ai un casque et j'ai un gilet, moi ça me sauve. Je pense que il a peut-être pas eu le temps de tout loot en même temps. Donc du coup je pense que ça l'a. Peut-être pour ça qu'il a pas pu me tuer. Parce que je pense qu'il a eu un sac à dos et. Pas un sac à dos mais un gilet pare-balles. Ça a pu lui sauver la vie. Moi j'ai un autre gilet pare-balles, voilà. Il aurait dû venir ici parce qu'il y avait un autre là. Mais bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Il a peut-être entendu du bruit. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas de sac à dos, mais j'arrive à récupérer pas mal de choses. Est-ce que c'est très c'est normal ça ou pas du tout? Ok, on récupère le kit de soins, le sac. Ah, j'ai un sac ici. Hop, il va le prendre automatiquement. Ça c'est cool. Donc, au niveau des accessoires, je crois que ça les met automatiquement aussi sur les armes. Voilà. Vous l'avez vu, ça le met automatiquement les visées. Ça c'est assez cool aussi. Ça va plus vite, je trouve, que le faire soi-même. Ah, c'est vrai, c'est pas facile. Vous voyez bien que je galère. De toute façon, après, si les personnes. Vous avez l'habitude de jouer à ce jeu sur téléphone, c'est sûr, c'est plus facile. Ou tablette, voilà, toutes les personnes qui ont l'habitude de jouer, c'est sûr, pour vous, c'est plus facile. Que nous, c'est pas. C'est très compliqué encore. Mais.
Du coup, voilà. Alors, on peut sortir d'ici. Est-ce que il y a des armes là-bas? On va les voir quand même. La zone, on est encore dedans. On est très bien, à vrai dire. On va pas se plaindre. Ça sera cool de trouver une petite voiture tranquille. J'ai quoi en arme plutôt? La M16. Et celle-là, c'est là. On va la prendre. Voilà, ça me l'a changé. Ok, par contre, est-ce que j'ai visé dessus? Ouais, j'ai tout dessus. Fais voir ce que ça donne, s'il te plaît. Ouais, ça va, c'est pas très méchant. Donc, ils sont automatiques, les armes, on peut les changer. Je les laisse auto. Automatique. Par contre, ouais, on va sortir d'ici. Non, mais par contre, je veux tuer des gens. Ouais, il vaut bien comme ça. C'est comme tu veux, mon pote. Ah, il y a un qui est mort avec une explosion. Je sais pas comment, mais il est mort avec une explosion. Est-ce qu'on peut sortir par la fenêtre? Oui. Ah, bien sûr, je sais pas si les plateformes sont reliées ensemble. C'est où? Si vous préférez, je sais pas du tout si les trois plateformes sont reliées. PC et Xbox. Je sais pas du tout. Comment il savait que j'étais là, le mec? Bon bah voilà, deuxième kill. Ça c'est fait. Donc t'as fait quoi? Bah l'ascar, mon pote, je la prends. Du coup, t'avais quoi avec l'ascar? T'avais des bottes, je les prends aussi. T'avais un gilet pare-balles, mais il est déjà utilisé, donc à mon avis, tu t'es fait tirer dessus. Ok, par contre, j'ai pas enlevé des trucs sur... Attendez. Non, 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 non. Ok, on va prendre ça. Utiliser mon deuxième kill, ça fait plaisir. Il m'a pas enlevé grand chose, je pense pas. Du coup, j'ai l'ascar en main. Par contre, je préfère mettre l'ascar en premier. Si c'est possible, non, on peut pas. On va jouer avec l'ascar en deuxième arme. Du coup, bah, c'est fini. Hop, on peut fermer l'application. Bon, c'est pas vraiment l'application, mais vous m'avez compris. Par contre, ouais, j'aimerais bien savoir comment il a su que j'étais là, le mec. C'est pas grave. On va recharger la deuxième arme, parce que ça sert toujours à recharger. Et comme je vous dis, moi j'ai un casque, j'ai un gilet pare-balles, lui il avait rien, donc oui, il avait un gilet pare-balles, mais il avait pas de casque. Il y a un mec qui est mort ici, c'est normal. C'est moi qui l'ai tué. C'est peut-être moi. T'as quoi, tu vas proposer? Non, c'est peut-être moi, je crois. Ouais, non, c'est moi. Ouais, c'est ça, c'est moi. Hop, on va revenir sur la petite car. Moi, il me faut trouver un petit véhicule, une voiture, une moto ou un buggy. Donc, du coup, je vous disais avant de tuer les personnes, je sais pas si les trois plateformes se relient ensemble, PC et Xbox One. Je sais pas du tout, à vrai dire. What, c'est quoi ça? Ah, c'est pour courir, d'accord. C'est pour courir vite. Faut se méfier, il y a peut-être une personne qui va s'amuser à m'écraser. Il y a un colis qui tombe là-bas si je me trompe. Ah, mince, désolé, je vais pas faire ça. C'est le radar, je voulais voir. On est dans la zone. Elle va bouger de toute façon. Enfin, se méfier au niveau des véhicules qui peut arriver encore sans moi. Mais du coup, voilà, je sais pas au niveau des plateformes s'ils sont reliés ensemble. Je pense pas parce que sinon on sera tombé sur des joueurs PC. Donc c'est pas le cas pour le moment. Est-ce que je tente à prendre un bateau? Dis-moi, il n'y a pas un véhicule, non? C'est la zone elle est un peu très loin, je peux prendre un bateau pour y aller. Aïe aïe aïe. T'es où toi mon pote? Ok, t'es là-bas. Mon pote, t'es pas équipé. Bah ouais, mais mon pote, qu'est-ce que tu veux faire? T'es pas équipé. Tu m'as enlevé de la vie, ok. Et t'es pas équipé. Équipé, donc qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. On va recharger parce que ça peut vite arriver. Alors en fait, quand tu cours trop vite, quand vous courez trop vite, en fait, ça fait un peu freeze. Ah tiens, il y avait un casque. Je crois qu'il a pris le casque. Il a pris la canette, il a pris le casque, je crois. Ouais, il a pris le casque. Il a bien géré. Il a pris le casque qu'il voulait. Ça, c'est cool. Du coup, on va se relever.
Il avait le casque, mais il n'avait pas de gilet pare-balles, donc du coup, c'est sûr, c'était plus facile d'allumer une balle, à vrai dire. En fait, le jeu, il bug moins quand vous bougez pas. Par exemple, quand vous êtes sur place, allongé ou un truc comme ça bug pas du tout. Mais quand vous êtes en déplacement, c'est insupportable, à vrai dire. Il y a un véhicule qui... Non, c'est pas un véhicule. Ah non. Par contre, je vais peut-être me boucher les fesses parce que la zone, elle est là. À vrai dire. On va faire courir automatiquement. Ça me permet de d'enlever mon petit point sur la zone. Et la zone, elle va arriver après, par la suite. Donc ça va, on peut courir automatiquement, ça va plus vite. Donc je suis à mon troisième kill, on n'est plus que 18 dans la partie. Ça c'est cool déjà, à vrai dire. Bon, est-ce qu'on est encore loin? Non, on est bientôt arrivé dans la zone. Dans même pas 240 mètres, 230 à peu près. La zone ça y est, c'est déclenché, je crois. Non, pas encore. Ok, du coup c'est parti. Ah, il y a un qui s'est fait tuer au fusil à lunettes. C'est bien à droite, à gauche, on peut voir tous les kills, toutes les personnes qui s'est fait tuer. Allez, du coup, on est bientôt arrivé dans la zone. Plus de 100 mètres. La zone bleue, est-ce qu'elle arrive la tempête? Non, je pense pas. Il faut vraiment faire gaffe aux véhicules, aux gens qui sont dehors, aux gens qui arrivent de partout. Surtout les véhicules, c'est traite. Moi, je vais me déplacer vraiment dans la zone même. Je vais monter par la montagne parce que j'ai pas très confiance qu'il y a un véhicule qui arrive derrière ou sur le côté qui vous écrase. Ça, par contre, c'est dommage. Ça peut être drôle, mais bon, faire ça à chaque fois, je trouve ça. Voilà. Je trouve ça moche. D'écraser des gens au véhicule, ça peut être drôle sans faire exprès quand vous le faites pas vraiment exprès ou quand vous le faites une fois et quand vous tuez tout le monde en véhicule, ça peut être chiant à la force. Alors, du coup, c'est plus facile à courir, j'ai juste à bouger un peu l'écran pour se déplacer sur droite ou gauche pour voir. Alors, attendez, du coup, je regarde la zone, elle est encore grande quand même. La zone, je sais pas par où elle va se trouver. Il faudra, c'est juste un petit véhicule pour se déplacer un tout petit peu plus vite et tester si on peut monter dans les véhicules. Je pense que oui, de toute façon, vu qu'il y a des bateaux, donc je pense qu'on peut monter dans des véhicules. Mais après, ça veut rien dire. J'aurais pu tester avec un bateau en fait, à vrai dire, mais je préfère pas. La zone, elle se rapproche. Elle se rapproche, elle se rapproche. Oui, vous inquiétez pas, je fais pas de demi-tour, je regarde juste autour de moi. Allez, c'est bon, on est reparti. On va pas tomber de la falaise parce que ça peut faire mal. On est plus que 40, 41. La zone, elle est encore grande. De toute façon, pour le moment, ça sert à rien de loot. Je loot pratiquement à fond, donc il me faut rien. Un casque, j'en ai un. J'ai hyperballe, j'ai. J'ai vraiment tout, donc. Quoi demander mieux, à vrai dire. Ça me fait bizarre de jouer sur tablette parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. À vrai dire. Sur Xbox, ça fait un bon moment. Donc, du coup, voilà. Ça change un peu. Et en même temps, là, sur tablette, on a pratiquement tous le même level. Donc, ça va encore, c'est plus facile. Et encore, je me débrouille pas mal. J'ai fait quand même mon troisième kill. Donc, je suis assez content. La zone, elle va toucher la zone normale, donc ça va être cool. Et ça, par contre, c'est cool. On reçoit la petite notification en disant que ça va exploser dans pas longtemps. Ça, c'est assez cool aussi. Ok, la zone, elle va bouger en principe. Et on n'est pas dans la zone. Donc je fais bien courir, en fait. Et la zone, elle est bien trop petite. Ça va jouer, ouais, limite un peu flotte. On va passer entre les arbres, on sait jamais. J'ai juste à rester à courir. Il y a un colis qui va tomber dans le coin. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont se jeter dessus. Alors, vu que j'ai pas le son à fond, j'ai peur qu'il y ait une voiture qui arrive de derrière. Encore, quand c'est un joueur qui arrive, qui me tire dessus, je l'entends, donc ça va encore.
Mais quand c'est un véhicule qui arrive, oh, il y a un qui joue au fusée de nuit depuis tout à l'heure. What? Ah, de quoi, mon pote? T'es où, t'es où? Ok, c'est bon, je suis où? What? Bon, bah voilà, t'as voulu m'attaquer. Hein. Je le cherchais, en fait, je le voyais pas. Allez, on va loot le coffre un temps qu'il se recharge. Il avait un casque. On va prendre le blouson. Est-ce que j'en ai des balles de 56? Ça me sert ou pas les balles de 56? Je pense pas. Si, 56 pour la SCAR. Bah, du coup, voilà, on les a pris. Et du coup, on va partir, on va se lever. Là, comme je vous disais, quand c'est un mec qui vous tire dessus, c'est plus facile encore, on l'entend. La preuve, là, ça vous fait un petit trait rouge en disant il y a un mec qui vous tire dessus sur la droite. Ça va encore. Mais quand c'est un véhicule qui vous tire, qui arrive derrière, on n'entend pas trop le véhicule. Donc, voilà. Nous, on va courir jusqu'à la zone. On va pas s'arrêter. On va recharger l'arme. Ça, c'est. Je kiffe. Parce que sur console, on peut pas le faire, je crois pas. Je suis pas sûr, je vais pas dire la bêtise. Je crois qu'on peut pas aller dans l'inventaire en même temps et on peut courir en rangeant les armes. Mais là, on a l'arme dans la main, on peut courir à vide, à vrai dire. Et on peut se soigner, on peut aller dans l'inventaire, on peut faire pas mal de choses. Et je crois que sur console, on peut pas le faire. Je vais pas dire des bêtises. Bien sûr, j'ai pas envie de dire. Ah, c'est de l'herbe. Oh, j'ai eu peur, je crois que c'était un mec. C'était mal fait en fait. C'est de l'herbe. Je suis dans la zone. Je suis dans la zone, je suis dans la zone. De toute façon, elle avance vite, la zone bleue. La zone tempête. On n'a plus que 24. Et j'ai fait 4 kills. Donc ça va encore. Comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué sur console. Donc je vais pas dire des bêtises en disant ouais, oui, on peut faire ça. Non, je vais pas dire de bêtises. J'aime bien savoir le loot où j'ai trouvé. Je sais pas où c'est. Là, il y a des maisons. Je peux loot si je veux. Et pour moi, je suis bien stuffé. J'ai 200 balles pour la SCAR, 216, 206 plus 266, 61 plutôt. Oui, dit. Et du coup, ça va encore. 261 balles. Donc, c'est déjà pas mal à vrai dire. Je préfère jouer avec la SCAR. En plus, j'ai une petite visée dessus, donc ça va encore. On va essayer de loot les maisons là-bas. Je t'ai tombé sur du monde. Vous allez me dire, ouais, tu fais ça courir. Mais en même temps, ça te bute en fait. On peut pas construire. C'est pas comme du Fortnite. Là, on peut pas construire. En tout cas, c'est des personnes qui connaissent pas non plus le jeu. Il y a des personnes qui connaissent pas PUBG. Peut-être aussi, ça peut arriver. Mais le but, c'est de. Bah, de faire un top 1, pas mourir, se protéger, looter. Et bien sûr, c'est pas comme sur. PUBG, on peut pas. C'est pas comme Fortnite, on peut pas construire. Attendez, je regarde juste. 2 petites minutes, l'application. Oui, c'est bon, ça enregistre. La façon. Ça me tire dessus, vite, vite. T'es trop long, mec. Tourne. Bon, bah, lui, ça se descend, toi. Toi, tu m'attaques, mais mec, ça descend, toi, tu es. J'ai entendu klaxonner, j'ai cru qu'on avait klaxonné, en fait, mais non. What the fuck? Et c'est kill. Faut que je me soigne, il y a la zone qui est un peu plus loin. En fait, je regardais si ça enregistrait toujours. Je suis obligé de regarder, les amis. Et j'ai les mains qui glissent, je stresse un peu, vous pouvez comprendre. J'ai encore un casque. 300 balles. Allez, on prend la canette. On va loot le petit qui est à gauche. Je vais me soigner et on s'en va. C'est moi ou ça vient de tirer? Non, ça vient de tirer. Allez, 7 kills.
Ça fait plaisir. Allez, dépêche-toi. Ah bah oui, je prends. Je prends. Allez, on y va. Par contre, tu te lèves, mon pote. Est-ce que j'ai le temps de soigner le looter le dernier ou pas du tout? Non, allez-y, on va y aller. La zone va faire mal sinon. J'ai pas tant de loot le dernier. Franchement, c'est dommage. J'aurais bien voulu le loot. Et la zone, elle est très très loin. Je risque de me faire toucher. Je risque de mourir. Et du coup, j'ai pris le risque de tuer le dernier. Qui est venu m'attaquer en plus. Ah, la zone, elle accélère. Ça pue. C'est pas bon ça. Ça va me toucher. J'espère pas. Allez, on court, on court, on court. J'ai un ki de sang, je crois encore. Ah, va toucher. Je suis à 300 mètres de. Pour arriver à la ligne d'arrivée, donc ça m'embête un peu de mourir. Ah, je suis au dehors de la zone, arrête de me faire mal. J'ai encore un kit, c'est cool. Allez, 200 mètres, allez. Je pense que ça peut le faire, largement. Sauf s'il y a un mec qui m'écrase ou qui me tire dessus. Ah, la zone, elle est juste devant. Ouais, ça va le faire. Je prépare le kit de soins. Ah, quoique ça va faire mal. Ah. Non, meurs pas, non, 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 non. Je peux pas me soigner, il voulait pas me soigner, mais non, t'es sérieux, je suis mort par la tempête. Ah, je suis déçu, les amis, je suis mort par la tempête. Je pouvais pas me soigner, vous allez me dire, ouais, mais t'as pu te soigner, pourquoi tu t'es pas soigné? Et non, les amis, je pouvais pas me soigner quand je me soignais, ils voulaient pas, ils rangeaient les armes. Ah, dommage. J'ai fait 7 kills, je suis fini 6ème, c'est déjà pas mal, c'est dommage. J'ai bien joué, j'ai bien kiffé le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Si vous voulez que j'essaye aussi sur iOS, pourquoi pas. Si vous avez une application pour tester le jeu dessus, pour faire une petite vidéo, pourquoi pas, dites-moi les dans les commentaires, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un maximum de pouces bleus pour un soutien, parce que ça fait plaisir de faire des vidéos, mais il faut un retour bien sûr, on n'en parle pas souvent, mais il faut un petit retour, donc un maximum de pouces bleus, ça peut me faire plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et donner votre avis dans les commentaires, et dites-moi combien de kills que vous avez fait, et tout simplement combien vous êtes arrivé dans le top 1 au niveau des classements. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis... Ok, ça s'est fermé, désolé. Je voulais faire une petite capture d'écran. Hop là, désolé les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un petit pouce bleu. Moi je vous dis à très vite. Ciao ciao, bye bye. Salut tout le monde.